Attention Pascal, pour Dundee 33 qui t'appelle. Ah, tu m'entends? Bah tu m'étonnes que je t'entends. Et c'est comme si tu me cognais à la porte, hachis trois coups. Ah bah tu vois que ça passe. Ah, t'avais pas besoin de passer en mer, lui, tu vois. Hachis. Non mais c'est que, hey, ça fait bien, ça fait une bonne heure là que je suis là derrière. Mais bon, d'abord les 73-51, vous deux, voilà pour commencer. Mais oui, ça fait quasiment que... j'arrive pas à aligner trois mots ce matin. Ça fait quasiment une heure là, que je suis derrière la porte, là, vous écoutez. Mais bon, je voulais surtout pas vous déranger, que vous fassiez pas de conneries sur la route. Bah, il fallait vous appeler, je vais vous dire. Il n'y a pas de problème, hein. Je ne vous dérangez pas, au contraire. En plus, je suis sûr que quand on est passé du côté de Dubourg, je devais passer beaucoup plus fort. Alors, il y a une heure, j'ai commencé à peine à prendre mon petit déjeuner. Et moi, prendre le micro, tant que j'ai pas quelque chose dans l'estomac, alors là, c'est même pas la peine. Déjà, là, t'as vu le démarrage, là, ça a cafouillé un peu de mon côté. Alors, imagine, avant de prendre le petit déjeuner, c'est foutu, là, c'est mort. Ah, c'est d'accord, c'est bien, c'est bien. Je sais pas si ça suffit encore à mon collègue, qui arrive devant moi, ça ne doit pas vous entendre, parce que... Oui, ben tu m'arrives avec un Santiago de 2. Hein. Bon, la radio n'est pas très épaisse. Par moment, j'ai un petit peu de mal, ou alors j'ai les oreilles encore bouchées là ce matin. Mais autrement, ça va, c'est correct. J'ai poussé le micro gauche, je pense que tu gagnes quelque chose en radio légèrement. Ah, tu m'étonnes. Attends, j'ai le filtre BHI, là, DSP qui me fait des siennes par moment. Il me donne un retour de l'harcèle quand j'appuie, quand je passe en émission, au secours. Mais autrement, oui, la radio est meilleure. Ouais, parce que là, je monte pas trop le micro gauche, parce que je sais que la radio est puissante. Donc, Du ouais, d'accord. Autrement dit, je serais plus près comme le dernier coup que là, ça écraserait complètement, quoi. Donc là, ton collègue, là, il doit plus. Ça doit être du caca de ce côté, quoi. Ah, je sais pas, peut-être qu'il y a un autre truc qui va arriver, je sais pas. Ah, ouais, Rémi, bah, on est là, donc sur le chantier, on attend que débrouiller, on a chacun une cuve là sur notre camion, puis bah, on sait pas quand elle sera vide, hein. Ok, bah, c'est bon, donc puisque t'es en train de. Ah, ouais, tu dois être en avance, tu dois commencer à avoir du monde sur le chantier, on marque le temps qui décharge. Là, c'est bon, tu peux taper un QSO tranquille. Station Super U, hein, station carburant, et on leur amène les cuves à carburant. Ok, d'accord. Ben, tiens, tu parles de ça. J'ai vu d'autres stations aussi où ils changent des cuves. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une nouvelle norme ou quelque chose comme ça qui est tombée là récemment qui oblige les stations à changer des cuves. Ou c'est simple coïncidence? Ok, d'accord. Tiens, ouais, parce que je vois par exemple là, sur Saint-Émilion, alors là c'est carrément autre chose. Il y avait une station, la seule et unique station du coin, et là pour le coup ils ont fermé, quoi. Alors je sais pas, je me demande s'il n'y a pas eu une nouvelle norme qui est faite. Sur la rocade de Bordeaux, entre la sortie 26 et le pont d'Aquitaine, là c'est pareil, ils ont tout cassé pour tout refaire. J'en ai vu d'autres aussi. Alors toi là qui me dis ça en pub, si tiens, il y a peut-être des nouvelles conditions qui sont tombées, qui les obligent à tout refaire comme il faut. Je sais pas. Ok. Bah, tu travailles pas aujourd'hui.
Hey, c'est bon là. Ah, j'ai bossé tout le week-end. Alors, ce week-end, j'étais en journée. Lundi soir, j'étais en nuit. Alors, tout le week-end, j'étais de mon côté là, dans les environs de Saint-Émilion, Branne, dans les environs de Branne, par là-bas. Et lundi soir, j'étais du côté de Cadejac. Là, je reprends jeudi soir. Voilà, du côté de Cadejac. D'accord, ok, impeccable. Alors, c'est bien, tout le temps. Ah, je suis dit, tiens, j'ai passé par là chez moi, j'ai dit, envoyé un petit message, ça m'a fait trop tard, tu vois. Ah bah tu m'étonnes, c'est sûr que je suis content de t'avoir en fréquence. Ah bah oui, tiens, il n'y a pas photo. Et à propos de photo, si ça te dérange pas, là je suis en train de faire une petite vidéo. Alors si t'as des conneries à dire, profites-en. Ah bah ça me dérange pas, au contraire, il n'y a pas de problème. Si tu veux qu'on fasse un essai en BAU, on peut le faire, il n'y a pas de problème. C'est... Tu veux faire une petite démonstration du striker, c'est ça? D'accord, ça marche. USB ou LSB? Ah, bah, c'est bon, hein. On va rester classique, c'est pour en USB pour moi. Ok, je bascule en USB. Voilà, là je suis dessus. Ok, je te laisse le temps de me clarifier. T'as une saloperie de retour. Voilà, j'ai coupé le filtre DPS que j'ai là derrière. Ok, voilà, donc là je papote un petit peu, que t'aies le temps de me clarifier. Vu que t'as un routier en plus en convoi exceptionnel, les réactions sont des fois un petit peu longues. Le clarifieur, il est où sur ce poste? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du clarifieur? Les cons, ils ont pas vu le clarifieur sur le striker. C'est la merde, c'est le Ah bah c'est beaucoup plus clair, hein. Alors en USB c'est beaucoup plus clair qu'en AM, et j'ai pas mis très très longtemps à te clarifier, hein. Ça a été quasiment immédiat. Voilà, bah j'espère que tu m'entends mieux maintenant. Je pense que ça doit être un peu plus clair en USB qu'en AM, non? Regarde, là mon micro gars, je te dis, il est presque à fond. Et ouais, l'écho, ouais, je l'ai carrément baissé là. Donc la radio doit être plus claire normalement maintenant. Voilà. Mais en USB en général, je monte le micro gain assez haut justement pour que le TX puisse sortir toute sa puissance, quoi. Ah, voilà, toujours sur le 27-125 en USB, nous sommes le 16 décembre 2020, il est 8h20 du matin, et je suis en QSO avec Monsieur Dundee, Radio Simi, opérateur Rémi, voilà. Bah ouais, y a pas de problème. Bah là je suis à 80 watts. Bah sur le wattmètre intégré de mon TX, je suis à 80 watts. Hein, mais j'ai déjà vérifié avec un wattmètre externe et c'est quasiment exact. Hein, y a pas de problème. Ok, d'accord. Ouais, mais bon, c'est sûr que moi j'ai un vrai test de puissance. Je cherche
Alors bon, je me fie pas trop à ça, quoi. C'est y a tout qui rentre en ligne de compte, hein. Le comment l'antenne travaille, y a tout qui rentre en ligne de compte. C'est ce que là, au QRA comme dans la voiture, de toute façon j'ai les mêmes réglages, hein, d'antenne. Et quand je passe le poste du push d'un côté à l'autre, c'est deux choses différentes. Hein. Donc bon, c'est vrai que je méfie pas trop à ça. Et là, je suis en train de bafouiller. Quoi. Attends, je vais te ressortir une troisième fois cette phrase-là. Quoi. Oh putain, là j'ai du mal ce matin. Bah, eh ben nous ça prend tout. Bon. J'ai toujours pas survolé aujourd'hui, enfin survolé ce matin. La grue qui devait nous bouger, bah, elle vient de repartir, on sait pas pourquoi. Donc, je pense qu'on va rester ici une partie de la journée. Ah ouais? Tu déconnes? On verra bien. Donc si tu passes ici en voiture, bah viens te dire coucou, il n'y a pas de problème. Et coucou. Ouais, tiens, j'ai des petites vidéos là, j'ai la lettre sur Facebook là. J'ai la lettre, ils sont tous ton commentaire. Ah putain, déjà que j'ai la tête dans le cul ce matin, oh, aïe aïe aïe. Ça c'est à charge de revanche de ce que j'ai fait là tout à l'heure. En voulant faire croire que tu là, mais tout à l'heure, de toute façon, j'ai bien compris que tu avais baissé la puissance au strict minimum, hein, ce qui est logique par rapport à ton connect à quelques mètres. Bah c'est ça surtout, parce que si j'aurais mis la puissance, les gens je sais même pas si j'aurais si bon entendu avec sa saturation, donc c'est pour ça. Voilà, donc là j'ai fait une puissance là, impeccable, donc ça passe bien. Et la vidéo est en train de partir sur Facebook. Toi tu pourras regarder ça là dans quelques secondes là. Tu vas t'entendre, mon cher ami. Oh putain, c'est quoi? Oh, t'es en train de me donner une idée de montage vidéo. Ok, alors ouais, d'accord. Ouais, bah tiens, je la récupérerai et que je viendrai mettre en superposition de la mienne. Eh ben, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, bah, je te dis, si t'as une petite balle à faire en voiture ce matin, bah, tu peux venir, hein, nous sommes là à Farges de Saint-Hilaire, là, au chantier de la nouvelle station Super U. En fait, c'est juste après Super U sur la gauche, voilà. Donc, si tu passes par là, tu veux dire un petit bonjour, tu peux. J'ai bien compris le message. Ouais, surtout que c'est un coin où je vais jamais, donc... mais attends... Ah, bah si, c'est facile. Chez moi, Bran, bah, tout droit, direction Bordeaux, et Farges Saint-Hilaire est à mi-chemin. Ah bah tiens, pourquoi pas. Ah, tu vois, c'est pas très loin. Non, puis en plus, ouais, quand j'ai regardé tout à l'heure, là, sur Internet, il doit y avoir quoi, 34 km, c'est tout, ouais. Ah, mais 34 km à vol d'oiseau, maintenant, après, par la route, c'est un peu plus long, quand même, hein, parce qu'on vole pas. Eh ben, justement, c'est sur Mappy que je suis allé. J'ai pas vu la position avion sur Mappy, donc c'est par la route, hein. Ah, ok, d'accord, ouais, donc une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau. Oh oui, parce qu'en plus de ça, la route est assez droite. Attends, je viens de voir un truc. T'es où? Tu l'as mis où, la vidéo? Elle est encore en train de partir, hein, vu que c'est un peu plus de 3 minutes. Donc elle est assez lourde. Elle est en train, elle est marquée publication avec 3 petits points de suspension. Donc elle est en train de partir. Bon, hein. Ok, pas de soucis. Non, là, mais il n'y a pas de problème. Quelques minutes à partir quand même. Hein. Bon, pourtant, je suis en 4G+, donc ça devrait quand même assez rapide, mais bon, faut le temps. On va le prendre le temps, il n'y a pas de souci. Bon, t'as vu, depuis que t'as ce Striker, il se vend pas mal, hein, maintenant en France. Hein. Si avant, ah ouais, t'es bon, l'un des premiers à l'avoir, et là, ça y est, là, tout le monde se l'achète. Hein.
normalement elle est publiée, il n'y a pas de problème, la vidéo. Ah, alors, ouais, merci Facebook, comme ça il ne met aucune notification. Ouais, super. Depuis que, au niveau des PC, là, Facebook, parce que là, je... Oh putain, j'y arrive pas ce matin. J'y arrive pas, là. Sur PC, Facebook, maintenant, et c'est le même affichage que sur un téléphone ou une tablette. Hein. Un truc bien dégueulasse, tout est zoomé. Les croix, quand il y a une croix sur une photo, par exemple, pour la fermer, le truc, il fait bien, la croix fait bien 1 cm de diamètre. Pour dire à quel point c'est vraiment dégueulasse. Et l'affichage, je t'en parle même pas. Si avant déjà il n'y avait pas toutes les notifications, ben voilà encore moins. Ah ouais, bon, il doit falloir le temps encore qu'à cette machine, qu'elle passe à la moulinette, hein, pour que ce soit bon. Parce que là, je viens d'arriver sur le groupe. Ah ouais, tu l'as mis sur ton compte ou non, sur le groupe, t'as dû la mettre, je pense. Alors. Ah oui! Oh yeah! Putain, oui, c'est vrai qu'il est beau ce poste. Hein. Je résiste! Attends. Voilà, t'as vu, tu vois ce que ça donne. Ah, tu vois que ça passe, ça fait chiable, hein. Ben oui, tu m'étonnes. Et dans le noir, ça fait pas trop guirlande, ça t'éclaire pas trop la cabine, je veux dire, en conduite de nuit, hein, ton poste. Ah non, parce que il y a le dimmer dessus, donc automatiquement, de nuit, comme ça, la luminosité est très faible. Ah, d'accord. Oh, putain, merde, j'essaie de la récupérer. Ah mais attends, je vois clic droit enregistré sous. Non, ça c'est HTML. C'est pas ça que je vois. Je me fais chier. Je sais pas comment. Bon, faut que je trouve une solution pour la récupérer. S'il le faut, je peux la mettre sur YouTube et puis je te donnerai le lien. On a quand même. Avant, on pouvait facilement. Attends, une minute. Je suis en train de batailler. Comment je peux faire? J'ai Gilles du Québec, 9 Bravo Charlie 555, qui m'envoie aussi des vidéos là, pour les mettre sur sa chaîne YouTube. Mais il m'envoie ça en message perso. Donc à chaque fois, je m'agouille en enlevant les 3 W dans le lien Facebook pour mettre M à la place. Et là, pour le coup, je passe en position mobile, en version affichage mobile. Et j'ai plus qu'à faire un clic droit dessus pour enregistrer, pour récupérer la vidéo. Et là, je suis en train d'essayer de voir. Et pourquoi pas directement. Tac, voilà. Je vais voir si ça veut bien le faire. Ah putain. Ah bah là, pour le coup, pour être zoomé. Donc là, voilà. Non. Alors, ok, voilà. Est-ce que je peux. Alors, zut. Pourquoi ça ne veut pas? Pourquoi tant de haine? Ah, ben ça, je sais pas du tout.
tu peux me l'envoyer en message perso sur Facebook, hein. Parce que là, je vois que... Ben, je vois que je vois pas, quoi. Surtout, c'est surtout ça, quoi. Ah, ben, ça peut se faire, ou pas, je vais faire ça tout de suite. Ok, chef. C'est bon, parce que là, c'est vrai que... Là, je suis passé en version mobile. Voilà, comme je disais tout à l'heure, dans le lien, là, sur mon PC, j'ai enlevé le 3W pour mettre M à la place. Et normalement, comme ça... pardon. On peut arriver à récupérer les vidéos. Mais ils ont fait tellement de changements là du côté de Facebook. Mais pas des bons changements, loin de là. Putain vacherie. Que là pourtant, là je devrais pouvoir, là, mais bon, ben, je peux plus. Hein. C'est pas dû à l'âge, hein, mais c'est. Je peux plus. Bah là, elle est en train de partir la vidéo en MP, elle est en train de partir, elle est déjà aux trois quarts, là, il faut le temps. Ouais, ouais. Autrement, t'as fait bonne route. Ouais, bah hier soir, on s'est arrêté à Montlieu-la-Gare avec mon collègue, on avait un bon petit repas labour et son coucher. On termine une route ce matin à 6h pour arriver ici à 7h40. Ok, donc y a quand même des restes routiers qui sont ouverts là en ce moment alors. Ah, encore heureux, parce que sinon, il y avait menace de grève et menace de tout bloquer. Aucun magasin livré, plus aucune station essence livrée, et donc automatiquement le gouvernement a lâché du geste qui a autorisé les restaurants routiers à ouvrir parce que c'est pas normal que nous on travaille, qu'on livre tout et qu'on n'a rien à bouffer et qu'on est comme des Romains Michel. Ah, ça c'est clair! Parce que je vois là à Saint-Pédarmand, là, à côté de chez moi, là, y a un routier, et ben depuis le premier confinement, ben ils sont baisés. C'est. D'ailleurs, je sais pas où ça va, ça, là, du côté justement de resto, mais je ne vois pas comment les mecs ils peuvent s'en sortir comme ça. Quoi. Parce que là, ouais, ben depuis, c'est mars, je crois. Non, n'importe quoi. Mais depuis le mois de mai, ils sont fermés. Ah, je t'ai envoyé la vidéo sur MP, hein. Vraiment elle est partie, donc normalement tu vas l'avoir. Ok, alors, tac, ça que je joue ça dans le onglet. Ok, voilà, alors, ça, que j'enlève le 3W, M à la place. Non, j'ai fait le con. Oh putain, non mais ce matin, putain, j'avance à rien. Faut pas me demander quoi que ce soit ce matin. Oh putain. Ah, faut se réveiller le matin. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Non, c'est pas encore ça. Putain, mais c'est pas vrai ça. Ah, c'est une honte, hein. Tu vas l'avoir nickel dans quelques minutes. Non mais c'est du grand n'importe quoi là ce que je fais là. Qu'est-ce que je fais? Non mais c'est. Qu'est-ce que j'ai là? Non mais c'est pas possible là. J'ai jamais autant merdonné que ce matin là. Oh putain. Ok, ouais. Ah, par contre, je vais te laisser là parce que je vois qu'il y a des gars du santé qui discutent avec mon collègue. Je vais voir ce qui se passe là. Et puis, voir ce qu'il en est. Après, je vais sûrement appeler mon chef là, pour savoir quand est-ce qu'on fera l'idée là. Donc, je vais aller voir ça et. Puis, on reste en contact sur Facebook. Ouais, puis je reste en stand-by là sur le. C'est quoi ça? C'est le 14? Oui, je reste en stand-by sur le canal 14, je rebascule en AM, on sait jamais si tu reprends la route ou je sais pas trop, donc je rebascule en AM, il n'y a pas de problème, d'une façon ou d'une autre, à plus tard. Ok, il n'y a pas de problème, ça marche, hein. Moi aussi je rebascule en AM. Eh ben écoute, heureux de ce petit QSO, voilà, si tu auras réussi à récupérer la vidéo ou quelqu'un qui n'y arrive pas, t'inquiète pas. Je vais transférer mon téléphone portable à mon ordinateur et je vais mettre sur mon serveur perso, je te donnerai un lien où tu pourras la télécharger direct.
Ben, jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à le faire. Je vois pas pourquoi là, j'y arriverai pas. Quoi. C'est peut-être que simplement, j'ai les neurones qui sont pas là où il faut. Je vais les avoir dans... Bon, d'accord, je dirais pas, au lieu de les avoir dans la tête. Donc, ok. Va voir ton collègue, y a pas de problème. Merci pour ce QSO et à tout à l'heure, sinon à plus tard. Salut Rémi, à plus tard. Je dors dans la même. Oui, moi aussi. Voilà, je suis de retour en AM. Donc, ok, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Bon, ben c'est bon, j'ai trouvé comment, comment télécharger sa vidéo. Eh ben, quand on cherche compliqué, forcément, ça fait pas simple. Ben, faut cliquer simplement sur télécharger, voilà. Quand la vidéo est affichée en plein écran là, sur le PC, en haut à droite, il y a un bouton avec marqué télécharger. Et bien, il suffit de cliquer dessus. Et quand on clique sur le bouton télécharger, et bien, ça télécharge. C'est tout aussi simple. C'est pas plus simple, pas plus compliqué, ou comme on veut. T'as des news, Pascal ? Tu m'entends ? Putain, vu comment il passe, il ne l'entend pas.